à l'issue de cette fameuse conférence de président de juin, où il avait été question en mai d'aborder le problème de la Marseillaise, où nous aviez dit on en rediscutera. Donc j'ai bien compris, il n'est pas question que le Front National sorte gagnant en instaurant la Marseillaise. Moi, je rappelle une chose, c'est que pendant des années, cette Marseillaise a été entonnée du temps de Monsieur Frèche. D'ailleurs, c'était à l'issue de ce terrible, de ce drame terrible qui avait touché le conseil municipal de Nanterre, où un élu écologiste fou avait tiré sur le conseil municipal et tué plusieurs personnes. Et c'était un hommage que Frèche avait rendu et avait voulu perpétuer. Alors, de deux choses l'une, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont encore aujourd'hui et qui siègent, qui ont siégé hier et qui siègent aujourd'hui, je m'étonne qu'ils se soient tus pendant des années. Madame la Présidente, Monsieur Nesta, un petit rectificatif. À Nanterre, les élus écologistes étaient parmi les victimes. Ils n'ont jamais tenu une arme. Ne réécrivez pas l'histoire en confondant les bourreaux et les victimes, s'il vous plaît, Madame Jamais. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2002, la tragédie a duré 50 secondes. 50 secondes pendant lesquelles Richard Durne est devenu un assassin. Au début du conseil, j'ai fait le tour du public. Je me suis tourné vers mon voisin et je lui ai dit « Qui est cet homme-là au premier rang ?» Il m'a dit oh, « Tu connais pas Durne, mais tu sais bien, il a été au PS. » Après, il est passé chez les Verts, il est à la Ligue des droits de l'homme. Tu connais pas Durne, ça m'étonne.